Salut à tous, ici Architect depuis Tower Audio à Nice. Je fais une petite vidéo aujourd'hui rapide sur Shape de Luna qui est proposée par UAD Universal Audio. J'ai fait une vidéo en live le jour de sa sortie mercredi dernier pendant le confinement et je me suis rendu compte en la revoyant qu'il y a des choses que j'ai un petit peu zappées, où je suis passé un peu vite parce que c'était dans les conditions du live, pardon. Et donc il y a des choses sur lesquelles je prends pas forcément le temps parce que je répondais aux questions, tout ça. D'ailleurs, à ce propos, je me suis fait déglinguer sur Audio Fanzine par rapport à quelque chose qu'a dit un des intervenants qui était là en webcam. Donc voilà, je voulais juste dire que déjà, faut se calmer, il n'y a rien de grave, c'est que de la musique, on peut dire des bêtises. En l'occurrence, en plus, ça n'en était pas une, c'est juste qu'elle a été mal interprétée. Et puis voilà, moi je fais ça, je gagne pas d'argent quand je fais des vidéos. Je faisais ça en l'occurrence lors du confinement pour occuper un peu les gens et pour parler entre nous. Donc voilà, je me suis fait déglinguer au bout de 5 minutes, parce que sur 2h40 de vidéo, au bout de 5 minutes, il y avait une ânerie qui a été dit. Donc voilà, les mecs sont pas allés plus loin et m'ont défoncé sur le forum. De toute façon, c'est le forum. Les forums en général, c'est un peu compliqué. Alors je devrais même pas répondre parce que je sais qu'il faut pas donner à manger aux trolls. Mais bon, quand même, voilà, juste pour dire que. Alors c'est aussi pour rappeler que dans les conditions des émissions que je fais qui sont en live, qui s'appellent. Peut-être je les continuerai après le confinement, qui s'appelle. J'ai oublié le nom, le live des producteurs. On est encore une fois dans les conditions du live. Il est possible qu'on dise des âneries. De toute façon, même lors d'un tuto, il est possible qu'on dise des âneries. Je ne prétends pas du tout avoir la science infuse. Les commentaires sont là justement pour discuter de ce que pense chacun, toujours dans la courtoisie, bien sûr. Donc voilà. En gros, là, le problème, c'est qu'il a parlé des moteurs audio, le mot qu'il faut jamais prononcer. Que chaque séquenceur avait un moteur audio différent et un grain différent. Alors, dans les faits, c'est pas forcément vrai, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est que chaque séquenceur a sa propre couleur maintenant et de plus en plus. Que ce soit Studio One, que ce soit là Luna, que ce soit Harrison Mixbus par exemple, on s'oriente plus vers des. En fait, quand on utilise un séquenceur, on va utiliser les effets intégrés ou pas. Mais si on les utilise, bah forcément, ça va apporter une touche différente d'un autre, puisque les effets sont différents d'un séquenceur à un autre, déjà de base. Et puis les réglages ne sont pas toujours les mêmes, la panoramique, tout ça. Et puis maintenant, dans les séquenceurs, on peut rajouter, ils rajoutent, enfin, les développeurs de séquenceurs, comme par exemple ici Luna, rajoutent des possibilités de mixage avec des émulations de tape, des émulations de diaphonie, c'est-à-dire entre les pistes, le son qui va se mélanger. C'est le cas dans Studio One, par exemple. Par exemple, Live n'a pas ça, mais Live, par son côté très électro et tous ses instruments, bah, si on compose en live avec les outils de live, on va avoir un son différent. Par exemple, l'OTT, qui est un preset du multiband qui a été développé par Live, il y a des centaines et des centaines de titres, notamment Skrillex et tout, qu'on fait des titres grâce à ce preset-là. Donc, à un moment donné, Live sonnait comme ça, enfin, ses productions sonnaient comme ça parce qu'il était dans Live. Alors non, les moteurs audio ne sonnent pas différents, mais en tout cas, les séquenceurs ont une patte différente, et c'est ce qu'il voulait dire, voilà. Donc, du coup, on s'est fait allumer pour ça, alors qu'en plus, il n'y avait vraiment, vraiment rien de grave. Donc voilà, c'était juste pour dire de se détendre un peu, c'est juste de la musique. Et comme tout le monde, on peut faire des bêtises. Le tout, c'est d'en discuter avec courtoisie. Encore une fois, voilà, parenthèse faite. J'attaque tout de suite. Donc tout ça pour rectifier un peu le fait que j'avais un peu survolé l'instrument. Alors, un des seuls, enfin non, le seul qui est gratuit dans ce séquenceur. Luna en fait est distribué gratuitement. Je le répète, à condition que vous ayez une carte son Apollo. Une carte son UAD qui marche en Thunderbolt 2 ou 3. Donc Thunderbolt 2, il y en a quand même des anciennes. Moi, la mienne, c'est une Apollo 8. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc ça marche. Je veux dire, c'est pas que pour les dernières, les nouvelles, parce qu'il y a des gens qui râlent par rapport à ça. Par contre, c'est pour l'instant dispo que sur Mac. En général, UAD privilégie Mac pour lancer des choses et après, Windows suit. Voilà. Mais historiquement, les gens composent un peu plus sur Mac que sur PC. C'est plus ou moins en train de changer, mais bon. Donc voilà, voilà pour ça. Et malheureusement, comme c'était à peu près annoncé, ça j'ai pas trop suivi, mais le Moog et le Studer, qui est un tape, qui est pas ici, mais je vous le montre après, n'a pas été offert gratuitement. C'est dommage, parce que ça aurait été cool que Luna UAD frappe un grand coup et propose ce séquenceur avec une émulation de Moog qui est magnifique, qui est vraiment superbe.
une émulation de tape, la Shutter, pardon, je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais je crois, la Shutter qui est aussi vraiment top. Moi, je suis habitué à l'utiliser déjà par le passé dans UAD. Alors, pour savoir que moi, je l'ai, cette tape, je l'avais achetée. Donc, du coup, elle a été automatiquement ajoutée gratuitement, et heureusement, dans le séquenceur. Donc, si vous l'avez déjà, elle pourra s'ajouter. Vous n'aurez pas à la repayer, heureusement. Ils ne sont pas mesquins jusque-là. Et par contre, donc voilà, sinon, le piano Ravel, qui est un super piano, il est à 300 euros, alors 299, mais on va arrondir. Merci, Maryse. Le Moog est à 300 aussi. Et après, toutes les banques supplémentaires, je vais ouvrir une piste, je vais vous montrer. Donc, instrument plus instrument. Là, ici, on a les instruments, voilà, qui sont proposés de base. Donc, le Shape est gratuit. C'est lui dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le Mini Moog est à 300 euros. Le Ravel est à 300 euros. Alors là, on a bien sûr mes audio units que j'ai dans mon ordinateur. Heureusement, ils sont compatibles. Et voilà, ici, dans Future... Non, pas Future Audio Workshop, ça c'est différent que je les trouve. Voilà, dans Spitfire Audio, qui sont ils font des super, super banques. C'est de l'échantillon, ça a été échantillonné. C'est des samples. Ils sont de très, 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 très bonne qualité. Et là, voilà, il y a tout ça qui est proposé. Là encore, c'est des packs. Le pack String à 300, le pack Brass à 300, le pack Woods à 300. Voilà, c'est pas donné. Moi, je vous conseille d'attendre les promos, pardon, d'attendre des promos et puis voilà. Et puis voilà. Alors, je vais vite attaquer parce que si je refais la vidéo de mon live, je vais encore parler pendant 2 h 30. Donc là, c'était juste pour vous montrer Shape. Alors, donc, je démarre une nouvelle piste avec le bouton plus. Shape est proposé dès le départ. Je vais le nommer. Alors ça, les pistes se renomment pas automatiquement, mais je vais le faire. Comme ça, je vais marquer test Shape. Voilà, comme ça, je la reconnais. Donc, elle s'est rajoutée. Shape est en train de s'ouvrir, voilà. Alors là, je peux basculer ici avec la vue mixage. Alors, l'interface est super belle, hein. UAD savent faire des interfaces. Ils savent faire du marketing et des interfaces, donc ça, c'est cool. Parce que les interfaces, c'est un peu du marketing, c'est pour ça que je dis ça. Mais moi, j'aime bien, personnellement, j'adore les belles interfaces. Les plugins qui sont moches, c'est con à dire, mais j'ai du mal à bosser avec. Je suis moins heureux. Et tout ça, ça change rien au son, mais je trouve que c'est important. Mais c'est un avis perso. Donc voilà les pistes. Donc celle que j'ai créée est ici. Alors je vous fais juste écouter. C'est un petit projet que j'ai fait. C'est le même que j'ai fait pendant le live. C'est vraiment, j'ai fait ça franchement, même pas une demi-heure. Donc c'est tout pourri, mais c'était pour tester un peu les instruments, quoi. Je vous fais écouter rapidement. C'est vraiment pas ouf. Voilà, c'est juste une boucle. Mais tout à l'heure, si vous êtes intéressé, je ferai un solo sur chacune des pistes pour vous montrer un peu les sons. Alors j'ai fait ça qu'avec des sons de Luna, évidemment. Là, on voit qu'il y a une automation sur le Moog, hein, donc c'est possible de faire des automations. On m'avait posé la question. Alors on va repartir sur le Shape. Donc je mets ma piste ici, je l'arme pour dire que je veux jouer des notes MIDI dessus. Je la mets en solo. Et ici, donc j'ai mon Shape. Il était sur mon deuxième écran. Le voilà. Alors, Shape, en fait, c'est un échantillonneur qui fonctionne avec des layers. Ça pourrait faire penser un petit peu à Spectrasonic, j'ai oublié son nom, Omnisphere de Spectrasonic, parce que c'est de l'empilement de samples. Alors, Omnisphere est beaucoup plus complet, on peut faire beaucoup plus de choses, mais on y retrouve un peu le même concept. Alors, on voit ici d'ailleurs que j'ai un Ravel, LT c'est pour Lite, donc ça veut dire que c'est une version allégée de Ravel, mais en tout cas c'est les mêmes samples. Voilà, d'ailleurs je l'avais montré dans le live, on va écouter le release, c'est-à-dire la tenue de la note et la réverb de la pièce et puis les imperfections de cette réverb sur une note un peu grave. Alors je vous montre ça tout de suite. Écoutez avec un casque, hein, ce tuto parce que c'est des choses qui sont un peu fines. Donc voilà, alors écoutez. Voilà, on entend vraiment bien les résonances et elles durent encore là. Donc là, pour le coup, ça a été super, super bien samplé, quoi. Écoutez. Voilà, et quand j'appuie doucement. On a vraiment, vraiment
toutes les comment dire les j'ai oublié le mot décidément aujourd'hui bah les finesses du piano la dynamique des notes du son du piano qui est vraiment super bien reproduite. Parce qu'évidemment, le son ne se contente pas d'être moins fort, il produit des choses en plus, des harmoniques, les cordes qui vibrent et tout ça. Donc encore une fois, là, au niveau des graves, les résonances, elles sont superbes. Voilà, et là, il n'y a pas d'effet, hein, c'est de base. Donc c'est top, vous avez quand même un super extrait de Ravel. Alors, il n'y a pas les petites fonctions en plus qu'il y a dans Ravel qui sont sympas, mais en tout cas, le son y est. Vous êtes déjà un super piano, vraiment un très très bon piano de base. Okay? Alors, je clique ici en fait pour ouvrir les paramètres du piano. Donc, je vois qu'ici, j'ai juste un compresseur on-off. On va essayer. L'enlève. Sais pas, c'est un peu dur, il faudrait que je fasse une piste MIDI. Et que je joue les notes à la même intensité pour comparer. Bon, bref, il y a juste un compresseur. Ça, on le verra plus tard. Donc voilà, pas d'option, hein, sur ce Ravel. Il reste tel quel. Et là, ici, je vais pouvoir aller changer. Alors, on va voir quand même les FX, pardon. Les FX, donc j'ai FX1, FX2. Donc ça correspond à ce qui est ici. Alors, ce qui est cool. Alors, je vais quand même faire un accord comme ça. Une note sur comme ça, une piste MIDI. Comme ça, je vous montre en plus comment on fait. Alors, donc là, je retrouve ma piste. Alors ici, on a un petit bouton qui permet de rapetisser ou d'agrandir les tracks. De toute façon, alors la vidéo en live est un peu longue, celle que j'ai faite, mais je parle de tout ça. Alors, test shape, il est ici. Donc j'active l'enregistrement et je vais faire juste une note. Voilà, par exemple, c'est vraiment vraiment très basique, mais c'est pour tester. Donc là, je l'agrandis. L'édition du MIDI, je la fais directement dans la fenêtre, ça c'est cool. Et je vais la quantiser ici avec le bouton Q de quantize. Et je le quantise par exemple en 1/16e, j'appuie sur quantize. Et voilà, je vais plutôt faire en 1/8e. Voilà, comme ça au moins j'ai quelque chose de bien carré. Si j'appuie sur Fold, vous voyez que. Seulement là où il y a des pistes, seulement là où il y a des notes MIDI, c'est affiché. Si je fais sur Fit, tout est affiché, mais on voit les trous qui restent entre. Voilà. Et sinon, là, c'est pour agrandir. Alors, par exemple, là, je vois que j'ai une note ici, je vais la virer. Voilà. Là, ici, j'ai du legato, je vais le laisser, comme ça, on verra ce que ça donne, peut-être sur d'autres. Voilà. Et là, ici, j'ai ici la vélocité. Donc la force, la vitesse avec laquelle j'ai appuyé sur mon piano. Parce que la vélocité, c'est pas la force, hein, c'est la vitesse. Voilà. Je change un peu, comme ça on a plusieurs intensités exprès. Voilà. On écoute juste. Alors ouais, dès que je clique sur une région, c'est la boucle. C'est pas mal là. Alors là, il y a eu un petit décrochage. J'en profite pour dire que j'ai fait des tests. Apparemment, il n'est pas multicœur, Luna, ce qui est très très embêtant. Vous voyez, là, j'ai mis beaucoup d'effets exprès dans ma session. Et il monte à 200% sur mon processeur. Moi, j'ai un 8 cœurs, mais un 8 cœurs qui fait 16. Enfin, qui démultiplie jusqu'à 16. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en gros, quand il y a marqué 200%, c'est qu'il n'y a qu'un seul cœur sur les 16 virtuels qui fonctionne. Et il monterait à 300 ou à 400 s'il y avait plus. Et malheureusement, non. Donc, c'est très dommageable. Franchement, pour un logiciel qui vient de sortir, c'était un peu le minimum de le prévoir multicœur. Mais j'espère que ça va venir. Mais c'est un peu dommage, quoi. Parce que c'est. Du coup, j'ai 8 cœurs, je m'en sers de qu'un seul sur mon ordi. Donc voilà. Bof, bof. Mais je pense que ça va être corrigé. Enfin, j'espère. Donc, j'en étais où? Je retourne. Voilà, à mon shape. Donc, comme je disais, ici, il y a FX1 et FX2. Donc là, les fixes 1 ici. Alors, j'ai pas mal d'effets à disposition. On a des délais, on a des compresseurs, on a des harmoniques, donc des saturateurs, des modulations, des flangeurs, chorus, des reverbs. Connaissant native instrument, j'allais dire, connaissant UAD, c'est des très bons effets. Alors, je ne sais pas s'ils sont allés choper des effets qu'ils ont fait eux sur d'autres modules. Par exemple, est-ce que dans un compresseur. Est-ce que dans une dynamique, est-ce qu'un compresseur, ça serait pas, par exemple, je sais pas,
Un 76 ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je les ai testés un peu, ils sont vraiment cool. On va parcourir un petit peu. Alors, mono-délai BPN, on va prendre des trucs qui sont un peu sympas, un peu colorés. Par exemple, là, tape délai, ça va être un délai qui a du grain. Alors, je mets à fond FX, là, j'envoie tout mon signal vers mon FX numéro 1. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer qu'une note, je vais monter le feedback, c'est-à-dire le nombre de répétitions de mon délai. Et filter, je vais le mettre, je vais le laisser à 50. On va écouter. Voyez, en effet, on entend bien la tape. Je vais le laisser résonner exprès, c'est-à-dire que ça, il y a du wobble, ça bouge un peu. Vous savez qu'une tape, c'est pas super stable. Donc là, ça bouge un peu. On réécoute. Je vais augmenter un peu le feedback en espérant que ça. Ah, petit ralentissement, désolé. Alors, on entend d'ailleurs encore le. Ouais, il faut pas que je vous casse les oreilles non plus. Alors, je vais mettre un peu un filtre. On va voir ce que ça fait. Ouais, j'augmente un peu. Ouais, donc voilà, en effet, c'est une belle tape. J'ai l'impression là qu'en fait, si je double-clique, non, j'ai pas accès à la mesure numérique. Là, je suis complètement, j'envoie tout mon Ravel vers mon délai. Là, je me mets à 50%. Voilà, donc là, on n'entendait que le délai. Hein. On va voir le filtre. Donc là, c'est un filtre qui coupe les aigus. Et là, c'est l'inverse, il coupe les graves. Donc, plutôt cool. On va écouter vite fait d'autres effets. Voilà, c'est plus court. Je vais exagérer un peu le feedback. Vous voyez, on entend bien. On entend bien que y a du. Ça bouge, quoi. Tape delay. Voilà, et du ping-pong pour avoir un effet stéréo, toujours cool. Voilà. Ok, alors là, BPM, c'est qu'il est synchronisé au BPM. Là, il n'est pas synchro. Et là, ici, je peux choisir le time, en fait, le nombre de millisecondes de répétition. Donc, par exemple, voilà, les délais sont cool. On va voir dynamique, bus compresseur. Alors, est-ce que ça serait un. Bus compresseur, est-ce que par exemple ils auraient mis un SSL, SSL comp, je sais pas, ce serait bien, mais là comme ça je peux pas vous dire. Alors ratio jusqu'à 20. Bon là c'est pas très parlant sur un piano, hein, parce que voilà, il faudrait que je fasse quelque chose de mieux. En tout cas il y a un compresseur. Bus compresseur, compresseur tout court et limiteur, voilà. Harmonique, là c'est intéressant. Donc bah bon, on a pas mal de choses. Auto-wah, hein, je vous fais écouter vite fait. Voilà, ça c'est toujours cool sur des guitares. Distorsion analogue, ça c'est intéressant. Désolé pour les oreilles, hein, j'ai mis un limiteur hein, sur le master exprès, mais bon, ça sature quand même. Et là, on entend bien le bruit carrément de la pédale, enfin des touches du piano. On entend derrière. Bon. Rectifie, je sais pas ce que. Ouais, autant vous dire que c'est de la bonne grosse distorsion. Elle est très très bien. Elle est très très bien. Il faut y aller évidemment avec parcimonie. Hein. Là, j'abuse exprès. Mais pour tester des choses. D'ailleurs, je vous le conseille, j'aime bien aller à donf pour voir jusqu'où est capable un effet. Et c'est souvent quand on le pousse dans ses retranchements qu'on se rend compte de la qualité d'un effet. Distorsion digitale cette fois. Ah, pour du sound design, ça peut être cool, hein.
Alors on est que sur un piano quand même. Là, je suis sur un truc. Là, je suis en train de refaire du. Ouais, voilà, le très joli piano. Je suis en train de faire du Skrillex avec un piano. Vous voyez, avec trois effets, donc c'est cool, quoi. Il y a moyen de faire des choses. Des amplis. Ça c'est pour rehausser les basses, donc ça peut être très cool justement pour rehausser une basse ou quelque chose qui manque un peu de. Alors sans, je vais essayer. Ouais voilà. Là sur les notes aiguës, j'entendais rien parce qu'il faut qu'il y ait du grave pour qu'il en régénère. Et par exemple, si je vais sur mon piano et que je tape une note de piano grave, là écoutez encore une fois avec un casque, bah ça me voilà, ça me rajoute du sub. Et là, je suis encore une fois à donf, c'est-à-dire que j'entends que l'effet de l'effet, justement. Et si je suis à 50%. Voilà. Alors, pareil sur un piano, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, ça va rajouter du sub sur vos basses ou sur des choses qui en comportent déjà un peu. Et on peut choisir la fréquence, la tonalité. En vrai, je peux remonter quand même jusqu'à 560 Hz. On va écouter tout seul. Ouais, donc c'est super intéressant ça pour générer des subs là où il n'y en a pas forcément. C'est top et ça marche bien. Ouais, un ampli. Ok, après modulation harmonique, c'est cool. Hein. Franchement, ça marche super bien. Ça marche super bien. Ouais, super le chorus, il est top. Il est vraiment beau. Chorus digital. Ouais, il est sympa aussi. Alors je vais peut-être pas mettre à 100%, peut-être pas à 50, voilà, 75%, comme ça on entend bien l'effet. J'exagère un peu hein, pour vous faire bien écouter. Ouais, c'est sympa. Ouais, top, top. Bon, encore une fois, il y a des réglages, je vous laisserai regarder tout ça. Flanger. Je vais faire tourner la boucle. Je vais faire vite. Ben, comme ça, je vois comment faire. Je vais faire un petit accord vite fait. Alors, je me mets sur fit. Si ça veut bien marcher, ça marche pas. Fold, fit. Ouais, ok. Là, je vais faire bouton Alt. Hop, pardon. Donc là, je vais faire une tierce et une quinte. C'est dégueulasse. Bon, comme ça, on entend bien l'effet, voilà. Non, je vais juste l'enlever pour vérifier. Ah, mais j'ai fait un accord qui est pas joli. Hop. On dirait de la house 90. Alors, j'y retourne. Oh, que c'est laid, bravo. On est en train de faire du sound design dégueulasse en direct. Bon, alors, je vais passer les effets vite fait. C'est pas forcément le piano hein, qui est plus adapté à ça, mais en tout cas, ça permet de se rendre compte de l'effet. Hein, voilà. Alors, quand j'appuie sur play, ça se lance pas toujours. Quand il y a un truc en premier plan, je veux pas. C'est sans doute ou un bug ou un truc mal fait. Du coup, j'ai perdu mon shape qui est ici. Voilà. Ouais, sympa ça. J'ai transformé mon piano en Leslie, quoi, en orgue. Ah, y a moyen de faire des trucs, hein. Franchement, les effets sont bien. Les effets sont bien. Alors, Rotary Speaker, j'en étais, Tremolo. Ouais, alors encore une fois, le play se lance pas, il faut que j'aille à la souris. Ouais, c'est subtil, enfin subtil, non, mais c'est un peu moins bourrin que les autres, quoi. Ensuite, on va voir les reverbs.
Ambiance cathédrale. Là, les réverbes, elles sont super jolies. Ça fait des réverbes UAD, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. La Capital Chamber, par exemple, leur dernière réverbe, elle est sublime, sublime. Je pense que pour des rooms, c'est ma meilleure réverbe. Ah oui, play. Elle est très sympa celle-là, non linéaire, c'est une réverbe un peu de type un peu room quoi, une réverbe proche en tout cas. Je dis peut-être des bêtises d'ailleurs, c'est peut-être pas non linéaire, je pensais que c'était une room, mais non, parce que si c'est en mètres, 500 mètres. Elle est chelou, non linéaire, c'est-à-dire que voilà, elle vit quoi. Elle est chelou, mais pour du sound design, c'est top. C'est top. Plate, on va voir. Ouais, on sent vraiment qu'on est dans une. Ouais, c'est cool. Franchement, ça marche bien. Room, on va voir. Ouais, vraiment, vraiment top. Là, il y a du gros. Hein. Encore une fois, je ne sais pas s'ils ont récupéré les algorithmes de reverb qu'ils ont déjà fait sur d'autres plugins. Mais en tout cas, elles sont vraiment top. Donc, en tout cas, ça, c'est gratuit. C'est super intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, quoi. Il y a moyen de faire des trucs. Alors, apparemment, il n'y a pas moyen de. On va le faire en direct. Je suis en train d'y penser pendant que je vous parle. Mais je crois qu'il n'y a pas moyen de prendre un sample. Eh ben non. Non, on peut pas glisser un sample. C'est dommage parce qu'on aimerait bien, on aimerait bien pouvoir glisser un sample, jouer et puis utiliser les effets qui sont là. Mais non. Alors justement, quel autre son on a à notre dispo? Pardon, il faut que j'aille ici. Voilà. Et là, donc on a tous les sons. Donc on a des drums. Alors là, il y a la reverb, je vais l'enlever. Ah oui, et alors du coup, j'ai pas parlé de l'FX2, mais c'est exactement le même truc, sauf que, bah, par exemple, on va mettre. Là, j'ai mis une reverb. Alors, je vais plutôt mettre une reverb là, donc all, voilà, parfaite. Et là, je vais mettre un délai. On va prendre un tape délai sur le BPM. Voilà. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que ici. J'ai mis un peu trop fort. J'ai FX1 vers FX2, c'est-à-dire que je vais router mon délai dans ma reverb. Et ça, c'est une technique de production pas forcément moderne, mais en tout cas qui est utilisée énormément maintenant et qui change la vie. Vous entendez mon délai comme il devient. Il est pas aussi net. Si je le mets dans la reverb, ouais, il se fond complètement dans la reverb. Si je le mets à donf, ouais, donc ça, c'est super intéressant d'avoir pensé à faire ça. C'est tout bête, mais c'est top, surtout que les effets sont bons. Je vais en mettre un peu parce que c'est cool. Je vais mettre un tout petit peu de. Voilà, donc j'y retourne. Là, pour les drums, quoique. Allez, je mets un petit peu de reverb. Voilà. Pour les drums, je vais pas vous les passer, hein, ça. Voilà, par exemple, je vous fais écouter ici. Là, j'ai un kit 808 qui est dispo ici. Là, c'est le analogue DM08, 808, 606, 909, 78. Je sais plus, c'est les vieilles, je crois. Ouais, c'est les type mini-pop, les mini-pop. Ouais, bah, par exemple, ça, c'est qui sont de Jean-Michel Jarre. Donc, ça doit être un truc genre mini-pop ou je sais plus exactement ce que c'est, mais. En tout cas, une vieille, vieille, une des premières boîtes à rythme. Mais c'est cool de les avoir. Tout ça, c'est samplé. Hein. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez les vrais et c'est très bien samplé. Après, on n'a pas les options de modulation, bien sûr.
Mais en tout cas, elles y sont. Alors, je vous fais écouter. Là, ici, drum. Donc, j'ai mis un kick de 808. Alors là, j'enlève tous les solos. Voilà. Je clique sur solo là et je lance. Et là, pareil, il y a une deuxième. J'ai fait une deuxième piste, mais c'est toujours une 808, pardon. Donc il y a moyen d'avoir des bonnes petites boîtes à rythme. On a évidemment. Alors j'enlève solo partout et je le mets ici. Voilà. On a évidemment des drums acoustiques. Voilà, plutôt rap hip-hop, vinyle. Ouais, voilà, bon. En tout cas, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment des... Je suis en train de tester en même temps. Ouais, je sais pas trop ce que c'est ça. En tout cas, il n'y a pas énormément, énormément de drums acoustiques. Peut-être dans percussion. Voilà, percussion, là, on va retrouver quand même. Là, évidemment, c'est l'acoustique. Les congas. Alors, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Peut-être je suis trop bas dans mon clavier. Ah ouais. La fameuse cowbell. Ouais, bon, comme vous voyez, c'est super, super bien samplé. Excusez-moi, j'ai un appel. C'était bonne. Ouais, désolé pour le bruit des touches de mon piano, mais bon, c'est comme ça. Faudrait que je coupe mon micro à chaque fois, mais c'est un peu galère. Tambourine, bon, bref, voilà. Basse ensuite. Alors on a des basses. Je vais faire dérouler mon. Ça, alors du coup, avec une basse, ça risque de faire bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Je fais fit. Je vais aller. Alors, bah, je vous montre un truc. Ici, je peux faire des versions. J'en ai pas parlé, ça, dans mon live. Je peux faire new version, duplicate version, edit version, supprimer version. Donc là, je crée une deuxième boucle. Voilà, c'est la V2. Donc là, j'ai V1, V2. Je vais pouvoir ici aller changer des choses sur ma V2. Normalement, c'est bon. Voilà. Et je peux revenir de V1 à V2. Donc ça, c'est cool. Je peux faire autant de versions que je veux. Ah ouais, alors ça, c'est un peu. Et dire une grossièreté, quand je sélectionne une note comme ça, bah, il me boucle automatiquement. Alors, est-ce que j'aime pas parce que je suis pas habitué ou est-ce que c'est génial? Je sais pas encore. Il faudrait que. Parce que c'est vrai que c'est cool quand même. Du coup, je sélectionne des notes. Mais par contre, il faut toujours bien repenser à cliquer sur la région pour refaire la boucle entière. Bon, c'est peut-être un truc à avoir. L'idée est peut-être bonne. Franchement, je sais pas. Il faudrait voir l'utilisation. Pour l'instant, ça me gave parce que je suis pas habitué. Mais voilà. Là, pareil, la vélocité, on entend bien quand ça joue moins fort, le son est pas le même, donc c'est encore une fois bien samplé. Voilà, on se retrouve avec des basses électro. Là, il n'est pas impossible qu'on retrouve des sons du Moog. Voilà, pareil, on ne peut pas les éditer, mais en tout cas, il y en a. Donc, c'est intéressant. Ensuite, des pads. Alors là, je vais reprendre ma version 1 où il y a des accords. Ce sera plus joli avec des pads.
Alors j'en profite pour vous montrer ça ici. Voilà, il y a certains effets où on a, enfin certains sons, où on a des options d'édition. Il faut savoir que c'est à chaque fois différent en fonction des sons qu'on choisit. Là, par exemple, je peux rajouter du sub, du chorus, du filtre et de la résonance. On va essayer. Alors, il y a un truc qui grésille parce que j'ai mis. Il y a des trucs sur mon master. Là, je vais l'enlever peut-être. J'ai mis un Celestia d'Acoustica justement pour faire charger un peu le CPU, là, pour voir comment il réagissait. Je vais l'enlever. Plugin superbe d'Acoustica d'ailleurs. Alors, c'est Alt pour virer un truc. C'est ouais. Commande et on clique dessus, ça active, ça désactive un plugin. Et là, j'ai un limiteur. Ça grésille quand même parce que vous voyez là je suis trop fort ici donc c'est mon instrument qui est trop fort donc bah je vais baisser le son. Voilà donc là je veux clipper numériquement. Alors j'ai pas trop fait gaffe si vu que ça émule, on va essayer tiens justement, on va voir vu que ça émule une console, est-ce que quand je clip dans le rouge, est-ce que c'est du clip numérique ou est-ce que du coup ça émule un clip analogique, du clipping analogique, la saturation du coup analogique. Ça serait bien que ce soit le cas. On va essayer. Je dirais que ça ressemble à de l'analogique, ça en tout cas. Ouais, c'est pas forcément super beau, mais c'est pas du clipping numérique. Je vais rajouter une tape justement ici. Donc je prends celle qui est fournie gratuitement, la Oxide, qui tourne sur le CPU. Elle tourne pas sur les cartes UAD, donc ça c'est cool. On peut en mettre tant qu'on veut, tant qu'on a du CPU, mais en tout cas ça bouffe pas un cœur sur la carte UAD. Ouais, c'est dur à dire, mais en tout cas, je pense pas que ça clipperait si. Là, je pense que ça émule une console analogique, je pense. Faut savoir aussi que là, alors oui, je crois peut-être savoir pourquoi. C'est que sur mon master, j'ai une émulation Neve qui est à 300 balles. Celle-là, c'est dommage. Ils auraient dû la filer, c'est tellement dommage. Mais bon, je vais la virer. Je vais virer ma tape. Je vais virer aussi mon émetteur. On va écouter. Désolé, moi j'ai un casque aussi, donc c'est un tout petit peu fort, mais ça va. Je sais pas, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous paraît sonner. Je pense pas que, de toute façon, normalement, on n'est pas censé saturer. Vu qu'on fonctionne en 24 bits, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on fonctionne, en quoi il fonctionne Luna? C'est encore. Est-ce que je me pose des questions en même temps que je fais? C'est vrai que là, je suis en 44.1, mais au niveau des bits, je sais pas. Il faudrait voir dans la notice. En tout cas, ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît être de la saturation du clipping numérique ou analogique. Je vais remettre mon limiteur au cas où je fasse n'importe quoi pour pas vous tuer les oreilles. Voilà. Non, je l'ai pas activé. Commande. Voilà. On y retourne. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait des paramètres. Voilà, si je change de son. Alors je pouvais le faire ici, pardon. C'est plus pratique. Je clique là et ici je peux changer. Je vais prendre un cœur. Voilà, vous voyez que bah, là, j'ai pas d'effet, par exemple. Voilà, ça c'est un extrait de Spitfire Audio. Donc des chœurs qui ont été vraiment samplés, donc ça ressemble à des chœurs. Ça charge vite, hein, vous voyez. Et ainsi de suite. Je vais pas vous défiler tous les presets parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous voyez là j'ai d'autres effets, l'attaque du filtre, le decay du filtre, le sustain, donc une sorte d'ADSR, le glide.
Alors, ici, j'ai modulation, ça ne marche pas toujours. Je voulais vous en parler, on va tester là. Non, vous voyez, là, j'ai pas l'impression que ça marche. Alors, c'est bizarre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça doit... Il pourrait le dire quand ça marche pas, on puisse pas l'allumer. Parce que là, il se passe rien en l'occurrence. Donc, on va essayer autre chose. Non, là, il devrait se passer quelque chose. Non, donc la modulation, elle marche que quand elle veut. Je l'avais testé sur un instrument où elle marchait. Là, elle marche pas. Donc, c'est un peu bête parce que on peut pas le savoir à l'avance. Faut tester. Ce sera corrigé, j'espère. Ouais, voilà, un truc bien rétro. Hein. C'est cool, c'est cool. Donc, lead, des keys, des... Voilà, des... Je vais vous passer les presets vite fait. Je vais arrêter de parler. Et puis, voilà. Après, il faudrait... j'allais dire le tester, mais vous pouvez peut-être pas. Après, je vais peut-être pas faire une vidéo. Ou alors, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo, genre, je fais passer les presets, mais bon. Bon matos quand même dedans. Les violons, ils sont cool, hein, franchement. Bah, ils ont été samplés par Spitfire. Donc en gratos, il y a quand même de quoi composer des petits trucs. Hein, franchement, c'est de qualité, quoi. Enfin, gratos, à condition d'avoir une carte UAD. Donc non, mais bon. On va dire que pour moi, qui avait déjà une carte, je l'avais pas acheté pour ça. Le truc est arrivé gratos, il me propose tout ça fourni, donc je vois pas pourquoi je râlerais, contrairement justement à beaucoup de gens, notamment sur les forums dans lesquels j'ai pu aller, où les gens ils gueulent, de toute façon ils gueulent pour rien les gens. C'est payant, c'est pas bien, c'est gratuit, c'est pas bien. Mais alors sur celui-là, mais il s'est fait démolir UAD, parce qu'ils avaient l'audace de proposer un truc gratuitement. Enfin les gens sont jamais contents. Mais après ouais, on peut râler sur le prix des trucs et tout machin, mais je veux dire encore une fois, on n'est pas obligé le... Moi, je dis que ça serait cool qu'il, ça aurait été cool qu'il file le NIF parce que c'est le gros plus de ce genre de logiciel, c'est ça. Donc, ça aurait été, allez, royal qu'il fasse, mais je vais pas aller les critiquer vraiment, leur taper dessus parce qu'ils l'ont pas fait. Je comprends, ils ont dû mettre un paquet de temps à développer ce truc. Donc, voilà, ça coûte de l'argent. Il faut aussi qu'ils sont pas là pour nous faire des cadeaux. Hein, ils sont là pour vendre une société, là pour gagner de l'argent. Donc voilà, râler parce qu'ils proposent un truc gratuit, bah non, tu l'utilises pas et puis tu passes ta route. Moi, comme je disais, la carte, je l'ai achetée pas pour ça. D'un coup, hop, on te propose ça gratuit, tu le veux, tu l'utilises, tu l'utilises pas. Donc, je vois vraiment pas où est le problème. Surtout que là, on est en train de voir que bah, y a du lourd dedans, quoi. C'est pas, ils sont, franchement, des séquenceurs payants qui ont des banques de sons comme ça de base d'aussi bonne qualité. Dites-moi, mais moi j'en connais pas spécialement quoi. Alors il y a des. Ouais, non, bah dites-moi si vous connaissez. Et puis alors, les séquenceurs, voilà, c'est 400-500 euros quoi. Le truc, encore une fois, est gratuit. Hein, donc bon, je vais pas relancer le débat là-dessus, mais moi je trouve ça vraiment cool. Il est super le groupe. Ah, et puis surtout la dynamique, quoi. Puis là, on entend les cordes et tout. Non, non, c'est vraiment top. Allez, les trompettes. Ouais, alors j'ai du mal à m'y faire à la touche. En fait, quand un truc est en premier plan, la touche play, elle marche pas. C'est très, très embêtant. Alors là, ça marche pas parce qu'à mon avis, je joue trop bas.
Donc ça n'a pas été samplé. Une flûte, par l'occurrence, c'est dur de faire une flûte très grave. Voilà, mélotron. On est chez les Beatles là. Ah oui, play. Voilà, ensuite, police, c'est des instruments polyphoniques. Voilà, vous voyez que lui, il a son délai inclus, quoi, dedans. Hein. Donc voilà, il est à 75%. Il y a un délai qui est prévu avec. Qui plus est, un super délai. Donc ça, c'est des synthés polyphoniques. Fixe et des séquences, il n'y en a que trois. Alors, ça, je vais les jouer au clavier. C'est rigolo, ça. Ouais, cool. Bah, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là on peut downloader la librairie gratuite hein, ici. Voilà, bah, en fait je voulais faire 10 minutes. Ça fait je sais pas combien de temps que je parle comme d'hab. Il y avait de quoi dire. Alors oui, non, bah non, j'ai même pas fini. Catastrophe. Alors je fais vite. Voilà, le principe, maintenant je vais pas vous. C'est de rajouter bah, des couches. Ici, alors on a exactement les mêmes choses. Bah, ici de rajouter un pad. Alors là je fais n'importe quoi. On verra ce que ça donne. Si ça se trouve, je vais faire. Alors la croix elle est ici là sur le côté, ça me perturbe. Il faut aller la choper, c'est un peu embêtant. Ah non, on peut cliquer n'importe où, autant pour moi. Je vais mettre case. Non, on va mettre un orgue. Allez, là. Et ici, on va mettre allez, un polyphonique. Là, ça a été beau, là, le Super Saw. Là. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, on va contrôler le volume bah, de mes quatre layers. Voilà, donc indépendamment, je peux les faire chacun partir dans des reverbs ou pas, enfin dans mes FX ou pas. Je peux aller donc router mes FX, je peux aller contrôler ce qui est super intéressant, c'est l'attaque générale des 4 du coup. Ouais, on entend bien. Il n'y a pas d'attaque. Là, enfin, il y en a une, le decay. Et un filtre, le cutoff. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que le cutoff qui a été prévu là, on dirait un cutoff, peut-être pas de Moog, mais en tout cas, il y a une résonance qui est de base, et moi, je la trouve trop présente. Je vais jouer. Ouais, bon, ça aurait été bien d'avoir un bouton résonance, franchement, mais bon, ça viendra peut-être. Et puis voilà, donc là après je contrôle donc solo, bah, ok, le volume de chacun des layers. Et voilà, elle est pas belle la vie. Alors justement, j'avais fait un des sons là qui était, je vais virer ça, mute. C'était lui, je crois. Ouais. Je vais monter un peu le volume. Là, il y a lui. Là, il y a une sorte de nappe. Là, une basse acoustique. Ouais, là, un synthé. Donc
Donc autant vous dire qu'en mélangeant tous ces synthés, enfin tous ces sons, pardon, tous ces samples, avec les paramètres qui sont ici, donc qui changent en fonction des samples, enfin des options, quoi, des presets, on va dire. Vous voyez que par exemple, là ici, je vois que j'en ai qu'un de dispo parce que les autres sont éteints. Tandis que là, j'ai les quatre. Là, j'en ai que trois. Voilà, parce que le dernier... Quoique, est-ce que je peux le voir? Non. Alors, vous voyez, là, justement, ici, il y a compresseur, il y a un LA2A qui est intégré donc avec une basse acoustique. Donc, est-ce que c'est le LA2A de chez UAD? Mystère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un LA2A. Je vois pas pourquoi ils auraient mis un LA2A pourri. Parce qu'après, c'est limité parce qu'on peut utiliser que avec les samples qui sont dedans. Donc, on ne peut pas s'amuser à mettre nos trucs dedans. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas le faire pour pas qu'on récupère leur FX, peut-être. Je ne sais pas. Donc, voilà le principe. Donc, voilà ce que je disais. Autant vous dire qu'en mélangeant tout ça, en utilisant des FX Destroy et tout ça, on peut faire du sound design assez poussé quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai assez parlé. Je voulais parler que de shape, donc je vais me contenter de ça. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez savoir sur Luna, des points en particulier. Je ferai peut-être comme ça des vidéos juste sur un seul point, parce que une vidéo, là je l'ai vu dans mon live, j'ai parlé pendant une heure et demie, j'ai montré vraiment que quelques fonctions finalement. Donc s'il y a des points que vous voulez voir en particulier, je ferai peut-être des vidéos comme ça de temps en temps, avec plaisir. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas. Donc là, je vais faire des lives pendant le confinement tous les mercredis. Soyez là, vous pouvez poser des questions en direct. On va essayer d'y répondre sans dire trop d'âneries pour ne pas se faire dégommer. Et puis voilà, donc c'est le mercredi à 17h. De 17h à 19h. Et là, je vous laisse parce que je vais faire un live, un DJ set. On est samedi. Je vais faire un DJ set électro, enfin techno plutôt. Pas électro, c'est complètement techno. Depuis mon studio. Donc voilà, portez-vous bien. Profitez-en pour être créatif pendant ce confinement. Et puis à très vite. Merci. Ciao, ciao.